quand on conteste le mimétisme de certaines populations, les empreintes de certaines populations, les chimères de certaines populations, est-ce qu'on est dans un processus d'hostilité, voire même de racisme, ou de sexisme? Il ne faut quand même pas exagérer. C'est quand certaines théories se révèlent toxiques, il faut les dénoncer. Quand certaines représentations se révèlent toxiques, il faut les dénoncer. Donc, moi, je revendique le droit de m'attaquer à tout un ensemble d'impostures, d'escroqueries intellectuelles, de mirages, et sans devoir être taxé de sexiste ou de raciste. C'est pas parce que je me mets en question les attentes complètement irraisonnées de certains groupes que je suis hostile à ces groupes. Pourtant, c'est ça qui est intéressant. On veut assimiler certaines idéologies qui ont été mises dans la tête de certaines personnes ou de certains groupes à l'existence même de ces groupes. Pas du tout. Ces groupes ont parfaitement le droit d'exister, mais les croyances qu'ils véhiculent et qu'on leur a imposées et infligées font problème, c'est tout. Et ça ne fait qu'aggraver les choses.